Elle n'est pas très égyptienne, cette pyramide. C'est la troisième œuvre la plus prisée par les visiteurs après la Joconde et la Vénus de Milo. Mais comme tout monument français, elle était très controversée, non ? Très controversée. Elle a été inaugurée en 1989. Elle a été voulue par le président Mitterrand. Et à l'époque, en effet, on a reproché à François Mitterrand de se prendre pour un pharaon. Ah non, mais c'était, mais sans pharaon, on n'aurait rien. Sans roi, on n'aurait rien. Voilà, heureusement qu'il y a quelques tyrans quand même de temps en temps. Voilà. C'est le musée du Louvre et c'est le plus grand musée d'art et d'antiquité au monde. Ouais. Je ne sais pas. Alors, c'est un peu controversé, ça. C'est-à-dire que c'est un peu français de le dire. Oui. Mais comme on est très, très française... On est très snob. En tout cas, c'est le plus visité au monde, ça, on en est sûr. C'est pas mal, déjà. Le Louvre a d'abord été une forteresse au XIIe siècle, puis évidemment le palais des rois de France, durant 5 siècles, jusqu'à ce que Louis XIV transfère les appartements royaux à Versailles. Est-ce que vous savez combien de temps il faudrait, à raison de 8 heures de visite par jour, 2 minutes devant chaque œuvre, pour visiter ce musée ? Au moins un bon mois. 147 jours. Ah ouais ? Ah oui. Bonjour Marie-Lou Berry. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts, comédienne, réalisatrice. On va évidemment parler de votre carrière, mais avant on va aller se plonger dans l'Égypte ancienne, au temps de Néfertiti et des pharaons. On y va ? Avec plaisir, ouais. Allez. C'est un vertigineux voyage dans le temps, au bord du Nil, qui nous attend lorsque l'on visite le département des antiquités égyptiennes, l'un des plus prisés du musée. Il a été fondé il y a près de 200 ans, sous l'impulsion de Jean-François Champollion, le premier à avoir décodé les hiéroglyphes anciens à l'aide de la pierre de Rosette. Marie-Lou, pourquoi est-ce que vous avez choisi, vous, de nous emmener dans ce département des antiquités égyptiennes ? Pourquoi l'Égypte ? Parce que moi, mon père est passionné d'Égypte. Puis les Égyptiens, c'est quand même un peuple incroyable, quoi. C'est incroyable tout ce qu'ils ont fait, la technologie qu'ils avaient, alors que nous, on était encore en train de cueillir des légumes par terre. Et eux, ils avaient le bronze, quoi. Et ils ont construit des trucs, on se demande encore comment ils ont fait aujourd'hui. Et je trouve cette civilisation, c'est des ovnis, c'est des extraterrestres pour moi. Et d'ailleurs, il y a certaines théories que j'aime bien là-dessus. Est-ce que cette civilisation, elle impacte encore nos sociétés aujourd'hui ? Et de quelle manière ? Ce qu'il y a de fascinant, je pense, avec l'Égypte ancienne, c'est que nous héritons finalement d'une fascination très ancienne, qui est d'abord celle des Grecs, ensuite celle des Romains. C'est constamment d'actualité. Regardez, il n'y a qu'à voir comment la pyramide de Khéops fait reparler d'elle très régulièrement. Ça, c'est des pièces qui sont restaurées ou la couleur, elle est d'origine ? Tout ça, c'était comme ça. Les détails. Là, vous voyez, devant un profil comme celui-là, on a un des sommets de l'art du bas-relief égyptien. Ça nous raconte l'échange du souverain avec les dieux, qui sont chargés à la fois de le protéger, de lui permettre de régner, de répondre aux offrandes que fait le pharaon, etc. etc. Alors, vous voyez, avec cette série de sarcophages-là, l'inspiration, il faut le savoir et il faut le redire, c'est directement le Tintin et Hergé, les cigares du pharaon. C'est ça, hein. Et donc, ça représentait tous les moyens pour le défunt d'assurer un voyage dans l'au-delà qui puisse être sûr, sans encombre, sans embûche et puis éternel. Ouais. Ça, c'est une momie. Voilà, il y a différents produits qui sont utilisés. Les techniques ont un peu varié suivant les époques. Mais en tout cas, le principe est toujours le même. On fait une incision sur le côté. On retire 4 organes et 4 organes seulement. Le foie, les poumons, l'estomac et l'intestin, je crois. Et le cœur reste. D'accord. Par nécessité, pour que le corps puisse revivre. Quand le département a été créé, je crois que toutes ces momies qui étaient retrouvées sur les sites archéologiques, on ne savait pas exactement comment les conserver. C'est ce qui explique qu'il n'y en a qu'une ici, au Louvre ? On en a quelques autres, mais le Louvre, dans les réserves. Ah, voilà, c'est ça, c'est mais caché. Non, c'est intéressant la question que vous posez. On ne les cache pas, c'est-à-dire que
Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, il y a de plus en plus de préoccupations qu'on qualifie d'éthique sur est-ce qu'on peut ou ne pas exposer un corps momifié, etc., parce qu'il s'agit d'un être humain. Du coup, il y a des réflexions là-dessus, et bien légitimes. Mais en même temps, quand on se place à l'échelle du musée, il y a une nécessité pour les gens à voir l'objet momie. C'est pour ça que j'ai employé le mot. Et du coup, c'est un héritage. Voilà. Marie-Lou Berry, comédienne, réalisatrice, vous avez su vous imposer et vous faire une place dans le monde du cinéma français en vous affranchissant des comparaisons avec votre maman, Josiane Balasko. Est-ce qu'au début, ça a été compliqué de gérer l'étiquette fille de ou pas ? Ça a été plus dur à gérer à l'adolescence, à l'école, que dans mon métier, en fait. Parce que j'ai eu la chance de commencer par un film qui était à l'opposé de l'image de ma mère. Le film, en l'occurrence, d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, comme une image, qui est allé à Cannes, qui a eu le prix du meilleur scénario, je crois, à l'époque. Ça m'a vraiment permis, voilà, de pouvoir commencer mon métier d'une manière très légitime. Ta mère a fait quoi là-dedans? Tu parlais de ton père? Je parle pas que de mon père. Elle en veut à la terre entière, et à moi en premier, évidemment. Avec sa mère, comment ça se passe? Ma mère, ça fait 5 ans qu'elle vit aux Antilles, je risque pas de t'en parler. Ta mère, c'est une folle qui fait des stages de yoga en Martinique. La comédie, c'est un registre naturel pour vous ou pas ? La comédie, pour moi, c'est oui, c'est important. Mais de toute façon, pour moi, la comédie, elle fait partie de la vie. C'est-à-dire que les films les moins crédibles pour moi, c'est ceux où il n'y a pas de comédie. Voilà, quand c'est tout vu à travers de l'œil du drame, c'est des films, je trouve, qui sont les moins crédibles, puisque dans tous les films les plus grandioses, je trouve que ça soit... même la liste de Schindler, il y a des moments qui sont drôles, parce que de l'horreur naît la drôlerie aussi. Dans Les Reines du Ring, vous abordez l'un de vos personnages les plus sombres, vous vous battez tout au long du film. Je crois même que vous avez refusé d'être doublé. Vous avez développé une vraie passion pour le catch. Ah, j'ai adoré ça. Bah, être doublé quand on est acteur, c'est un peu une défaite. Ouais. C'est un peu céder quelque chose, donc c'est quelque chose que j'aime pas. Et le catch, j'ai adoré ça, ouais, c'était... Mais déjà, ça nous a extrêmement... On était avec Nathalie Baye, Audrey Fleurot et Corinne Maziero. On a travaillé ensemble pendant 2-3 mois avant le tournage. Donc ça a vraiment créé une vraie connivence entre nous qui existait vraiment. Et puis, qui se voit dans le film, qui est importante. D'accord, tout en rouge. OK. Colette, hein? Vous avez franchi un cap avec le personnage de Joséphine, inspiré de la célèbre bande dessinée. Joséphine, c'est une fille qui est sûre d'elle, qui ne mâche pas ses mots, un peu comme vous. Ouais, Joséphine, c'est quelqu'un qui est sûre d'elle, mais qui en même temps manque énormément de confiance en soi, qui fait que justement, elle affiche une espèce de « moi, j'ai pas de problème, tout va très bien, je vois pas de quoi tu parles », et qui représente vachement les trentenaires aussi. Donc oui, c'est un personnage qui est proche de moi, mais je pense que c'est aussi un personnage qui est assez universel, chez les trentenaires, dans ce côté voilà, dans cette qui est un peu perdu en même temps avec ce côté ultra féministe, et en même temps, enfin voilà, moi je trouve ça assez délicat aujourd'hui quand on est une femme de dire je suis féministe, qu'est-ce que ça veut dire de façon féministe aujourd'hui, mais oui, je défends le droit des femmes, mais en même temps j'ai pas envie de me laisser pousser des poils sous les bras. La suite de Joséphine, c'est Joséphine s'arrondit. Vous campez toujours le rôle de la trentenaire déjantée, mais vous réalisez également. Est-ce que passer derrière la caméra, c'était une évidence ? Pour moi, en l'occurrence, c'est un truc qui fait vraiment partie, qui est lié au jeu, la réalisation. C'est-à-dire que j'incarne un personnage qui évolue dans un décor, qui interagit avec d'autres personnages, qui porte certains vêtements et qui dit certains mots. Et tout ça est extrêmement lié au personnage, à l'histoire, à tout ça, et pouvoir décider de la direction artistique, des décors, de comment va être interprété le rôle du copain, le rôle de la pote, de pouvoir diriger tout ça, c'est un truc que j'avais très, très envie de faire et que j'ai envie de faire dans l'absolu. Ouais. Et pourquoi avoir choisi votre mère pour jouer le rôle de votre mère ?
Qui d'autre de mieux placé que ma mère pour jouer ma mère? Je pense qu'on ne pouvait pas trouver meilleur emploi. Et puis justement, ça me permet aussi d'exprimer mes angoisses que tout le monde a, la peur de se transformer en ses parents, la peur d'avoir tous les défauts de ses parents, la peur un jour de s'entendre dire des choses où on s'est juré toute notre vie de jamais je dirais ça comme ma mère, jamais je ferais ça comme mon père. Et en fait, c'est plus fort que nous. La force de la génétique et de la généalogie est énorme. Bière pour moi. Morito. Coca Light. Oh, t'es enceinte. Putain, maman, ils sont où mes caleçons, là? Et comme d'habitude, ma chérie, ils sont rangés avec tes chaussettes propres. Oh, maman. Gilles, j'ai bien réfléchi, on peut pas. Récemment, on vous a vu dans Les Nouvelles Aventures de Cendrillon, mais Cendrillon n'allait pas tout à fait à l'image de ce qu'avaient imaginé Grimm ou Perrault dans leur conte. Non, mais en même temps, c'est une Cendrillon assez moderne, d'une jeune fille qui, en même temps, a envie d'être invisible et en même temps, elle aimerait désespérément qu'on la voie. Donc, c'est des personnages que j'aime beaucoup, que j'ai déjà abordés dans Vilaine, dans plein d'autres films. Quel est le costume qui a été le plus jouissif à enfiler? Ah, la Souillon. Ah, sans aucune hésitation. C'est le costume le plus génial du monde. Bon, hormis le corset qui est ultra inconfortable. Mais non, la Souillon, c'était génial, parce que déjà, le fait de tous les matins arriver au maquillage et de se mettre du noir sur la gueule, comme Mary Poppins, là, et de se dégueulasser, je trouvais ça génial. Moi, je me trouvais 10 fois plus belle en Souillon qu'en princesse. Princesse, c'est un peu cucu. Mais au bout d'une heure, t'en as marre. C'est chiant, on passe pas les portes, là, ça traîne partout, faut faire attention à pas la salir. C'est un calvaire. Alors que la tenue de Souillon, c'est génial. On peut faire ce qu'on veut avec, on peut traîner par terre, on peut s'asseoir partout. On peut aller manger à la cantine avec, c'est génial. Une de tes filles a de grandes chances. Anastasia va tenir rêve. Non, l'autre. La moche? Non, Cendrillon. Oh non, mais c'est pas ma fille, celle-là. Celle-là, c'est la boniche. Non, mon Dieu! Dans la famille Berry, il y a Marie-Lou, la fille, et Philippe, le père, artiste lui aussi. Enchanté. Un sculpteur qui s'est découvert sur le tard. En ouvrant les portes de son atelier, on se laisse aller à une certaine nostalgie. Car avec lui, l'art est un jeu d'enfant qui nous renvoie des images familières. Bon, Philippe, un hippopotame, des hippopotames qui batifolent avec des ballons, des éléphants qui se font, j'allais dire la courte échelle, mais non, plutôt la trompe-échelle, des pingouins qui se prennent le bec, le monde de l'enfance n'est jamais loin avec vous. Ben oui, puisqu'en fait, le sujet, c'est l'enfance, justement, donc ça tombe bien, il vaut mieux. Donc moi, mon travail, c'est de rassembler comme ça tous les symboles forts de l'enfance et de les inscrire dans l'histoire de l'art, parce que voilà, c'est dans le bronze et c'est une matière qui est complètement historique, on va dire. Et ton père, de temps en temps, il est adulte ou non? Bah oui, parce que c'est un adulte, mais quand j'étais petite fille, je suis toujours très très fière de mon père. Parce que justement, à l'école, par exemple, alors que tous les autres papas étaient en costard-cravate et que mon père était en jean en cuir avec des Santiago multicolores et une chaîne en métal, j'étais super fière qu'il m'amène à l'école et qu'il soit différent. Vous n'avez pas toujours été sculpteur, même, je crois que la sculpture est venue sur le tard. Comment ça s'est passé? En fait, c'est Marie-Lou qui a déclenché tout ça, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, moi... J'ai commencé à faire de la pub, des affiches de cinéma. J'étais graphiste au départ. Et puis comme ça m'ennuyait fermement, je me suis arrêté de faire tout ça à un moment donné. Et je me suis lancé d'abord dans la peinture. Et puis comme Marie-Lou était inscrite dans un cours de poterie, et elle ramenait toujours des trucs trop marrants, avec des machins trop marrants comme ça. Et donc voilà, ça a déclenché chez moi cette idée-là de faire de la sculpture. Parce qu'en plus, par rapport à la peinture, moi, je n'ai aucune inhibition dans la sculpture. Ah oui, pourquoi? Ouais. Pourquoi par rapport à la peinture? C'est-à-dire que vous avez des limites, des freins quand vous peignez, mais j'ai pas quand vous sculptez. J'ai trop de références dans la peinture. Et en plus, mon problème, c'est que j'ai énormément d'idées. C'est un train qui passe sans arrêt. C'est pas donc, un problème. Si vous voulez, pour arrêter une image, c'est très, très dur pour moi. Alors que, bizarrement, j'ai pas ce problème-là dans la sculpture, parce qu'elle doit être délimitée tout de suite.
Bon, un petit mot quand même, parce que ça, c'est, ce n'est pas vous, c'est le diamantaire, je crois, toutes ces, ouais, tous ces miroirs au mur. Ouais, ouais, c'est le fiancé de ma fille. Ouais. En fait, il a commencé par le street art en récupérant le miroir qu'il trouvait dans les rues et en faisant des diamants qui collent sur les murs, qui collent toujours d'ailleurs partout dans le monde. Mmh. Et il a un atelier en Normandie avec tout un plein de machines de métallerie. Il a pu justement commencer à faire ces sculptures-là. Bon, on reste dans l'atelier, on profite de cette invention incroyable, du diamantaire donc, le diamantoscope. Et bien ça va être l'occasion de te soumettre aux questions des internautes. Alors non, il n'y aura pas de troisième Joséphine, enfin je ne pense pas pour l'instant, en tout cas peut-être dans 10 ans, on ne sait jamais, pourquoi pas, parce que je trouve que ça à la limite, ça sera dans 10 ou 15 ans que ça sera intéressant. Eh ben, bon courage. À ce point ? Voilà, oui, et puis travail, quoi. Le cinéma, c'est du travail. Le cinéma, le théâtre, être acteur, c'est du travail. Voilà. Et on a tendance un peu à l'oublier, des fois. Donc, bon courage et travaille bien. Eh ben, il y a des réalisateurs, plein de réalisateurs avec qui j'aimerais tourner. Il y a Blié. Mais en fait, là, surtout, ce que j'aimerais faire, c'est jouer au théâtre, en fait. Donc c'est mon projet. Ah bah moi toujours et les autres. Merci Marie-Lou. De rien. C'est la fin de ce Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Marie-Lou Berry sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très vite. 68 000 œuvres conservées. Ça en fait des bibelots à dépoussiérer. Ah, c'est ça, au niveau du ménage, il faut y aller. Sur toutes ces civilisations qui sont... Pardon.